Arrêtez, arrêtez. Non, allez-y, continuez. Stop. Bonsoir. Bonsoir. Waouh, vous m'avez pas bien regardé. J'ai dit bonsoir. Bonsoir. Oh là, vous commencez à respecter mon charisme. Je sais ce que vous pensez. Vous êtes en train de vous dire, oh, on dirait une star américaine. Et effectivement, j'ai toujours trouvé que j'avais ce je ne sais quoi pour devenir une grande star. Malheureusement, ma mère n'a pas senti cette histoire quand elle était enceinte de moi, puisqu'elle a décidé de m'accoucher dans une contrée lointaine, loin de tout espoir, de civilisation. J'ai nommé le Borinage. Tout le monde voit le Borinage. Pour ceux qui ne voient pas, vous voyez Charleroi ? Enlevez la gare. Pour ceux qui visualisent toujours pas, imaginez un désert avec seulement deux choses. Un magasin de bière et une friterie. Du coup, forcément, en grandissant, je me rends compte d'une chose, c'est que contrairement aux autres nécessiteux, moi, en tant qu'enfant d'immigré, mes parents avaient le choix. Ils auraient pu me mettre au monde n'importe où. Donc vient la question, pourquoi ? Et ma mère me parle qu'en fait, elle avait entendu parler d'une école internationale et qu'elle rêvait de m'y inscrire pour que je puisse apprendre à parler un maximum de langues différentes. Malheureusement, la seule chose que j'ai réussi à faire là-bas, c'est apprendre à conjuguer le verbe grossir dans un maximum de langues. En italien, on dit tiramisu. En portugais, on dit pastéis de nata. Et en bourré, on dit dimchu, avec ma fricadelle, s'il te plaît. Tu me donnes une mitraille, s'il te plaît, avec de l'andalouse et de la samouraï. Stop. Ouais, j'ai un timing à respecter, mais vous inquiétez pas, mes blagues sont à emporter aussi. Vous rirez à la maison. Et cette éducation m'a donné une culture totalement différente de celle de mes parents. Par exemple, je me souviens le jour où mon hamster est décédé, après une très longue vie, de 2 semaines et demie. Et je me mets à pleurer, mais vous voyez les larmes, les vraies larmes. Les larmes tellement profondes qu'on ne les entend plus, on les voit. Ces larmes-là, ma mère me trouve en train de pleurer. Dans son esprit, seul un être humain mérite ce tel degré de tristesse. Donc pour elle, quelqu'un de la famille est mort. Solidarité, elle pleure avec moi. Ma fille du courage, c'est qui est mort? Maman, c'est Popcorn. Vu qu'on est congolais, c'est possible que quelqu'un s'appelle comme ça. Elle n'a pas tout de suite compris qu'il s'agissait. Popcorn. C'est du côté de ton père, ça. C'est... Hein? Alors, en voulant chercher une identité, j'ai décidé de devenir artiste pour le plus grand désespoir de mes parents. Alors, chacun a eu des différentes réactions. Mon papa m'a carrément fait signer un contrat qui m'oblige à lui rembourser la totalité de la somme qu'il a dépensée dans mes études. À partir de la maternelle, j'ai fait Master 2. Mais il a oublié que j'étais intelligente. On a tout précisé dans le contrat, sauf la devise. Vous connaissez les francs congolais ? Il va bientôt les revoir, en tout cas. Ma mère, elle, c'était difficile parce que je sentais qu'elle avait honte de moi. Mais elle essayait de le cacher, mais c'était trop flagrant. Surtout dans la différence de traitement entre moi et mon petit frère. Comment vous décrire mon petit frère ? Il a décidé de me gâcher la vie. En d'autres termes, il est médecin. Et ça se voit quand on va aux fêtes, la différence comment ma mère nous présente. Alors elle, c'est ma fille. Elle est clown...
Voilà, artiste. Mais mesdames et messieurs, mon fils, ma bataille, mon projet Mbappé, mes 9 mois rentabilisés, médecine. Par rapport à tout ça, j'ai eu envie de me rapprocher un petit peu de ma foi en me disant peut-être que Dieu va m'aider. Je le croyais jusqu'au jour où j'ouvre la Bible et je trouve un verset qui m'a choquée. Le verset qui dit que la gourmandise est un péché. Pourquoi on ne m'a pas prévenue? Vous imaginez un petit peu? Il y a des gens qui n'iront pas au paradis et ils devront expliquer la raison. Il y en a qui diront adultère, d'autres feront alcoolisme, et puis tu auras moi, KFC, Durumpita. Du coup, pour avoir envie un petit peu de perdre du poids, j'ai été à l'exercice sportif le plus efficace au monde. Non, non, ce n'est pas une salle de sport, c'est une église africaine. Ah ouais, parce que nous, quand on danse, on balance tout. Le pasteur devient un professeur de Zumba. Et il est plus coloré que là-bas. Il suffit de le suivre. Nous, tous les dimanches matin, je vous montre ou pas? Oui! Nous, tous les dimanches matin, ça donne ça. Musique. Danse pour Jésus à gauche. Danse pour Jésus à droite. Allez, 1, 2. 1, 2. Allez, danse pour Jésus à gauche. Danse pour Jésus à droite. 1, 2, 1, 2, c'est l'extension. On va chasser les démons.